Ngai mutu moko akenda nanu enfer azate enfer ezapa l'enfer bafungula ngona nuté tangu Jésus-Christ akoya ko juger le monde, c'est là que l'enfer sera ouvert. Mais le Seigneur m'a amené la révélation dans le monde des esclaves. Pourquoi le Seigneur m'a amené quand des fois à Koufaké? Un jour, il y a toujours esika azali. Je suis en lien dans le monde des esclaves. Je suis en des fois azobina je suis en train awa. C'est le travail qu'il avait fait dans le monde, il va le continuer ici. Dans le monde des esclaves, tu vas continuer le métier que tu faisais dans le monde. Des fois, vous allez kobina sans arrêt. Ata fatigué, ko fatigué, ta kotika, ta kobina, ti Jésus akoya. Comment n'y est bon? Il est ici dans le monde des esclaves. Donc, tout l'accès aux révélations dans le monde des esclaves. Bala moko na yeko mona mupepe makasi ya ikoti na chambre ya makasi mupepo izo bwaka batu ya kaina kutumuke. Bala moko na yeko mona medese moko akoti. Siko tangu akoti alibi, je suis l'ange de la mort. Ngabi l'ange de la mort azaka mutabi, oui. Je suis un ange envoyé par Dieu. Soki batu baza na nzambe bakufinga mna yaka kuzwa bango. Siko tangu mupepa na michili bosona kangabi oko kangate, je suis puissant. Mupepa ne bwaki ngakuna. De toutes les façons, c'est lui-même qui a demandé qu'on le prenne, qu'il est fatigué. Na yé na mission, na ngoko arrêté ngate parce que je suis trop puissant. A boa kinga na mopepe kuna. Mbala moko na yeko mona azu ba tétoscope ya ba médecin, a tié na tolo, a examiné boye. Après na moni a simbié na loboko. Mopepe wana yesu makasi ba bandi ko bima. Bakende na ale moloto nga na michi susu liboso nga bioko mema eta limina komema imo prepane bwa kinga lisusu bioko arrete ngate. Je suis un ange envoyé par Dieu na eko zoyé qui peut pas m'arrêter. Tant on a la mukina tala bo 6h du matin na bengi na Kishasa na zui prophétesse mama Bernadette abina nga tozé pa ya soni na matanga ale moloto akofi eza na batu mingi basi ba abandonner premier amour hein. Batiki nzambe bakomi osala makamususu kote wane sije wane za solo mingi basi batika Yesu kala bakota na bango na banzela mususu batika nzela nzambe wana koza na raison. Alors soga soga bando azongeli bolingo na liboso bokora na dedenle sisiko bokondi mai siko. Tu sais papa, notre Dieu est Dieu d'amour hein. Très bien. Si tu avoues tes péchés et tu les abandonnes, nzambe za capable d'accueillir. La Bible voilà, merci, merci et bienvenue mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, Équilibre Télévision, votre chaîne. Jérémy Luemba, les renards du désert est là. Donc nous sommes avec Maman Claire, la prophétesse Claire. Je crois que Boutala qui est dans la première partie, mais on va essayer de progresser avec d'autres révélations. Bonjour prophétesse. Oui, bonjour Jérémy Luemba. Voilà, nous sommes bénis par votre présence, maman. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Très bien. Ok, mon kilo talabiso, avant tout, on va prier, maman. On va prier. On va dire merci à Dieu là qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a protégés jusqu'à maintenant. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté, pour ta grâce. Je te dis merci encore à ce moment, Seigneur. J'élève ton Saint-Nom, Papa. Je vais parler de ta part. Seul, je ne perds rien. Cher Saint-Esprit, guide-moi, dirige-moi. L'Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Si tu parles à ton peuple, ça sera le succès total. Que moi, je sois petit, que toi, tu croîtes en moi, Seigneur. Parle à ton peuple. Les personnes qui ont le cœur brisé, les personnes qui ont fatigué, les personnes qui étaient déçues, console, renouvelle. Ça sera pour ta seule gloire. Je bénis ces liens. Je bénis ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis aussi Jérémy Luemba et les caméramans.
Bénis-les, ça sera pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci maman prophétesse, c'est clair. Je rappelle que vous venez de la France, vous êtes à Kinshasa pour un séjour. Je crois que tout va bien. Et comment vous s'adaptez quand même à Kin? Oui, on s'adapte. C'est le rythme du pays, chaleur, courant, molule, mais Dieu est là avec nous. Alors, étant que prophétesse, vous êtes messagère, quelles sont les révélations que la PCO découvre parce que on reconnaît un véritable prophète à travers ses messages. Et si cela peut aussi se réaliser, ça serait toujours pour la gloire de Dieu. Alors, vous avez un message pour la Laksarayo, vous avez un canal, vous avez un rêve, songe, ou bien vous avez un fan de boy, vous avez un film, une top série dans tes yeux. Je suis en révélation, en songe, en vision, et puis je suis en flash. Je suis en télévision, je suis en film. C'est comme ça que Dieu me parle. Comme on appelle le mot, on appelle le canapé, on appelle le écran, on appelle le canapé, on appelle le film. C'est comme ça que Dieu me parle. Alors, ça c'est intéressant. Vous avez un message que vous avez reçu? On a un message, oui. On a un message récent et un message ancien. On est qu'au début, hein? On est qu'au début, il y en a beaucoup. Alors, ça serait mieux pour nous pour dans la Sainte Bible. Qu'est-ce qui est préparé alors? Bon, avant na kokota na ba révélation na linga ki na tanga Exode 20 à partir de verset 2 tango nzambe a fungola ki bana Israël en Égypte ezala ki na ba instruction o ya pesa ki bango que soki bolandi instruction wana boko bika bolamu na nzambe soki po landi te ma oye koyela ba conséquences parce que chaque acte ezana conséquences nango ya malamu ou ya mabe. Il faut bien comprendre ce que les autres sont en Zambé, conséquences sont causales. Ce qui pose autour sa tête, conséquences sont causales. C'est ça. Dans Exode 20 à partir de verset 2. Alors, on a noté devant Batou, le bien et le mal. Hein? Koto Sanzambe, ils ont la réalité nango. Ce que Bouki Mbé coupé, conséquences. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut bien Zambé bayeba. Si tu n'obéis pas à la loi de l'éternel ton Dieu, Oyekoya. Si tu obéis, ce qui va arriver. Beaucoup de conséquences toujours vivre ça désobéissance totale to tourner mon congo en Zambie oyo nzambe aloba na yo otosa yango te okomi ko souffrir les autres mais obosani ke nzambe aloba kana un jour c'est ça. Alors quelle est votre compréhension par rapport à cette définition il y a prière lorsque l'apôtre Mutombo dit que la prière est un dialogue entre deux esprits il qualifie l'homme esprit Dieu aussi esprit yo comprendre le message avant d'aller ngapo na ngai na koloba ke le dialogue est entre l'homme et Dieu, son créateur. Parce que Dieu est le créateur de l'univers. C'est lui qui est au principal de tout. Moi, je ne peux pas dire l'esprit. Il a l'esprit et l'esprit. Et quel esprit est tenté de parler? Moi, je peux dire que entre l'homme et son créateur, Jésus-Christ. C'est ça que moi, ma compréhension. Alors, quand on dit esprit et esprit, ils sont un peu vagues. Hein? Oui, il a des esprits et des esprits. Satan, c'est un esprit. Les sorciers, c'est un esprit. Les démons, ce sont des esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Quel esprit est en train de parler qui nous explique? Moi, je sais, l'homme et son créateur, Jésus-Christ. C'est le seul des personnes. Le bon dialogue entre Dieu et l'homme. C'est ça qui est bien. Alors, prions sans cesse, Babito, prier quand même, je crois. Et quelqu'un aussi a dit que la prière n'échoue jamais. Est-ce que ça peut être solo? La prière d'un homme juste n'échoue jamais. Il y a un homme hypocrite, un homme animal. Si un homme animal il prie, c'est comme s'il est tenté de jouer. Mais la prière d'un homme juste a beaucoup d'efficacité. C'est entre lui et Dieu. C'est la communication entre lui et Dieu. Il n'y a aucune barrière. C'est pour cela Ésaïe 59, à partir de verset 1, nous dit « La main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir ou bénir. Ce sont nos fautes, nos péchés qui nous séparent entre nous et Dieu, qui met les barrières que Dieu n'écoute pas nos prières. » L'homme animal, s'il prie, c'est comme s'il est en train de faire le bruit. Un tonneau vide qui n'a rien là-dedans. Un homme animal, c'est un tonneau vide. Mais un homme qui est rempli avec l'esprit, c'est la communication directe avec lui et Dieu. C'est ça la différence. Très bien expliqué, prophétesse, c'est clair. En tout cas, bon séjour à Kinshasa. La paix, c'est en France, place Outi, Mbote, en Belgique. Espagne, Grèce et Turquie. Le Thierry, capitaine. Na Montréal, ainsi que sa femme, Maman Gina Mianda. Je vous salue.
Merci à Mimi Ndoumé depuis Mouchinglaba en Allemagne. C'est Mama Yassi, femme légitime, agence Mayassi Forza Italia. Enfin, je dis merci à mon vieux, les célèbres Dienzundu à Washington. Alors, prophétesse Claire, c'est vrai, vous m'avez dit que le message est à moi, vous partagez en vous déjà. Oui, beaucoup partagé. On a quoi dans la petite. Nathan a manqué un exode. Oui, allez-y. Exode 20 à partir de verset 2. Quand Dieu a sorti les enfants d'Israël en Égypte, il a donné les instructions. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir des pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point l'image taillée, ni les représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis le Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'aux troisième et quatrième générations à ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu était clair. Abi, j'ai puni le faute d'une iniquité sur les parents jusqu'aux troisième générations. J'ai fait miséricorde à ceux qui m'aiment jusqu'aux mille générations. Oui, si tu aimes Dieu, tu le sers avec fidélité, même tes enfants ne souffriront jamais parce que miséricorde de Dieu va descendre jusqu'aux mille générations à tes enfants. Amen. Et si tu tournes aussi le dos à Dieu, tu seras maudit, tes enfants jusqu'aux quatrième génération. Le malheur va suivre ta descendance. C'est pour ça qu'on est tenté de voir les morts subites. Bakoufaka chaque décembre, il y a des choses qui se passent, qui se répètent. Oh, maladie familiale, oh, incurable. Ma mère, elle était comme ça, moi aussi, je suis comme ça. Tout ça, c'est les malédictions. Vous avez tourné le dos à l'Éternel. Alors, le message est bien passé. Alors, je crois que le lot va souffrir. Toujours la réclamation, le lien, la famille. Les gens se battent matin, soir, mais changement positif dans la vie. Nous prions mal ou bien ils anin maman. Il y a des gens qui ont prié, mais ils ont beaucoup embêté. Peut-être aussi le passé n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des commerçants dans le corps de Christ. Il a des faux prophètes. Jésus a dit, les salariés, ils travaillent pour leur vente. Jean 10, verset 11. Abi, je suis le bon berger. J'ai donné ma vie pour mes brebis. Mais les salariés, ils travaillent pour son ventre. Il y a des salariés dans le corps de Christ. Il y a un monde de business. Les gablots. Yesu kazimbo na ye okufa obela azakunate. Si ozana pasteur a modele wana yeba ke c'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Tala muto azokambayo origine na ezanine. Auta wapi? Wana ko yebe siko zali. Ce qui zo mona loboko na nzambe te peut-être aussi c'est la tête muto azokondre bino aza juste été devant nzambe. Voilà, merci beaucoup maman. Alors on va perdre espoir, on va ignorer quand même l'existence des bons serviteurs, on va diriger Bango, on va ignorer prière. Il y a aussi des cas pareils. Je vais vous dire que les paniers circulent encore. Jésus-Christ est en action. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce de Dieu n'est pas encore passée. Tu peux recommencer. Ce que nous sommes en malade, te change. Cherche un homme de Dieu que tu vois qu'il craint Dieu. Parce que tu ne peux pas rester un endroit que tu ne vois pas la main de Dieu. Banda, baloué côté na famille ici la kate. Banda qu'on peut s'offrir, vie na yo change kate. Misère que misère et tu restes là, c'est ta faute. Si tu ne vois pas bien, sortez de là. La Bible dit sortez au milieu des personnes. Amos 3:3 nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Ce que mon nous mon abola monte louke ce que mon abola mon ensemble. Jésus-Christ en action. Alors, Jésus-Christ est en action, ça c'est tellement bien dit. Alors, pour l'accord de Christ, pour la mboka na biso Congo, est-ce que Nzambe pe alobela rayo? Pour la mboka Congo, Nzambe alobela ngaya makasi. Nazo na voyage le 14. La nuit du 13. Nazo mona Nzambe azol bananga bi regarder. Tala ndenge botiki Congo ezaa envahi la le dieu étranger.
oh. Abi les dieux étrangers bazo s'installer na Congo ba yipsinga balbi chef ya ba indien ya spirituel ba indien a planté temple na awa na Congo ba lakisinga njete ambila mulai njete ambila na siko bakata ba njete mukuse na likolo sika baba bitape bimanga bakati mukuse babi na ngomoni njete ambila ezaki mulai jusqu'à na mapata abi moni njete ambila wana abi na kati wana temple ya indien wana za na kati abi c'est tout une trône a été planté na Congo a été possédé comment ba sala nzambe zo benga ba prophète bozo tia makelele biloko a boye ba les dieux étrangers zo la planté na boko bolibo mona loboko na nzambe esika les dieux d'étrangers ba vandi ba ina ba nzambe na bango mutu na mutu auta ende auta lubai auta a été planté awa mais vous êtes des sentinelles prophète c'est une sentinelle eza mutu oyo nzambe zo pesa message na yo pour communiquer na peuple. Est-ce que vous avez vu que je l'ai vu, c'était la nuit du 13 mois d'avril là, que le temple indien est planté dans le Congo. Le trône na bango ba eko tia awa, chef na bango a ti trône na awa na Congo. Vous avez ba prophète. C'est des choses. Vous pouvez avertir le corps de Christ. C'est des choses capitales. Ah bon? Ah oui? Donc, au monde, il y a clairement la vision. La vision claire. Donc, bah. Ba secte wana ba indien ba implanté chef na bango implanté penza na awe comme centre na bango esika ko s'abriter a ti château na ye na jet ba bina ngomoni jetambile teza château ni m'implanté na Congo awe mais to yoka na tanga zaye ki ba loi mo doki ba ind donc ba biloko ba indien wana nde ye ko to nga na chef na bango ba lubina nga trône na bango ba ti yango awa donc chef wana ti vraiment château na ye principal awa. Alors, que devons-nous faire pour que Mbogo soit libéré? Tous les gens qui ont été en Pongo Toulendo, ils ont été en Bangou, ils ont été en réveil, ils ont été en religion, tout est toujours bloqué. Tout est toujours bloqué. Tout est toujours bloqué. Les Indiens sont un vrai Dieu, ils prient à Shiva, ils prient à Dieu, les femmes, ils prient à 6. Ils sont un vrai Dieu, ils sont un vrai Dieu. Mais les aventuriers dans le corps de Christ, les prophètes de Matthieu vie, des prophètes qui se fait voir, qui te fait croire. Vous faisiez des pour ne rien dire. Mais pour sauver le corps de Christ, le Seigneur m'a montré, m'a dit, même le président de la République, a croit sous la prophétité. A sous la foi, a croit que vous êtes un vrai Dieu. Tout le monde a qui, Nathan et Rouen et Boukadanesal, Meshak, Sandrak, Abinedego. À cause de leur Dieu, roi, à se soumettre à qui n'en zambé na bango. Ce qui aujourd'hui, président Fassi, a zoko asou na ba prophète, était parce qu'il y a trop d'aventuriers, trop de mativis, trop de bruits de perroquets qui parlent pour ne rien dire. A zoko asou ta préféré à yambane ba chef coutumier. A préféré ça la confiance dans ba chef coutumier. D'abord, je vais vous dire, vous les prophètes qui parlent beaucoup pour ne rien dire, vous êtes en guerre avec le chef coutumier dans le monde des esprits. Ba marabout. Balingi ba disqualifié bino ba lakisa na mukonza mboka que vous êtes défaut que bangonde ba sala kabino ba pesa kabino ba kisi ba ko disqualifié bino et puis ça vous allez commencer à voir beaucoup de prophètes exposés boko manda ko beta ba profession no kangana mona ka 10 ans à l'avance ba ko disqualifié ba okoloba n'importe quoi et ko simbate c'est ça ils ont œuvre ya ba chef coutumier na ba marabou ba telemi ba kiti sabino ba sambu sabino que vous êtes défaut eh ah oui. Alors la guerre a commencé, oui. La guerre spirituelle, ça c'est bien dit. Et quand même, aux arena compréhension par rapport à lieu de tourment. Quand on dit lieu de tourment, bah chrétien mingi, bah mon angolo go l'enfer, je ne sais pas quoi. Aux arena compréhension ni papa. Mon ngai mutu moko akenda nanu enfer azate, enfer za pas l'enfer bah fungula ngona nuté. Tant que Jésus-Christ a koya ko juger le monde, c'est là que l'enfer sera ouvert. Mais le Seigneur m'a amené la révélation dans le monde des esclaves. Pourquoi le Seigneur m'a mené quand je suis en train de faire à Koufaké? Un jour, je suis en train de faire des choses à Koufaké. Je suis en lien dans le monde des esclaves. Je suis en des fois où je suis en train de faire des choses à Awa. Je suis en train de faire des choses à Koufaké. Eza musala na yo azo bina talinga tika zoko akoki kotika te comme robot balibina nga c'est le travail qu'il avait fait dans le monde il va le continuer ici
dans le monde des esclaves, tu vas continuer le métier que tu faisais dans le monde. Des fois, vous allez kobina, kobina sans arrêt. Ata fatigué, ko fatigué, ta kotika, ta kobina. Ti, Jésus a koya. Omoni est bon. Namona ki ye. Nali bou mouné. Na bilamba bakulera zaola na sandal. Babi nanga, il est ici dans le monde des esclaves. Ton et tout l'accès aux révélations dans le monde des esclaves. Mais à part des fois, mona yi moutou moussoute. Eh, namona moutou moussoute. Et loko oyo, namona ki. Nakuki kozonga mwasi matango ale moloto akufake. Nga na yebaka teke ale moloto akufi na zaki na prier nanga lalala kana se pendant 2 mois. Na lalala na butu ba meminga na hôpital. Na yebaka te soka kufela ki na hôpital soka kufela ki wapi. Na mona ba meminga na hôpital alati elamba ya ba malade. Babi nanga ye wana aza malade. Mbala moko na ye kumona mupepe makasi ikoti na chambre ya makasi mupepe izobwaka bato ya kaina kutumuke. Mbala moko na ye kumona médecin moko akoti siko tango akoti alobi je suis l'ange de la mort ngabi l'ange de la mort azaka mutabi oui je suis un ange envoyé par Dieu soki bato bazana nzambe bakufinga mna yaka kozwa bango siko tango mpepa na michili bosona kangabi oko kangate je suis puissant mpepa ne bwa kinga kuna ngabi oko mema yete abina ye kozwa de toutes les façons batini ngana yakozwa c'est lui même qui a demandé qu'on le prend qu'il est fatigué na yé na mission na ngoko arrêté ngate parce que je suis trop puissant a bwa kinga na mopepe kuna mbala moko na yeko mona azu ba tétoscope ya ba médecin atié na tolo a examiner boye après na moni asimbié na loboko mopepe wana yesu makasi ba bandiko bima ba kende na le moloto nga na michi susu liboso nga bioko mema eta limi na komema mopepe ne bwa kinga lisusu bioko arrêté ngate je suis un ange envoyé par Dieu na yeko zoyé qui peut pas m'arrêter. Quand on a la moukina tala bo 6h du matin na bengi na Kishasa na zui prophétesse maman Bernadette abina nga tozé pa ya soni na matanga ya le moloto akofi ngabi donc makambo na chiko mona izaki ya solo abiweza ya solo akofi tozana matanga et pa il église a passer soni c'est ça qu'elle m'avait dit. Ah voilà, ce sont des cas comme ça où nzamba la kisayo mais ba to bakofi pe bele na mboka o to moni ba politicien to moni maman Lissi Kunda o Kunda sister pe le corps sort déjà c'est deux. Mais, et donc, ma réalité, c'est mon belé. Est-ce que vous avez écouté la bonté? Non. Mais il y a une chose que je sais. Maman Lissi, c'est une personne qui craignait Dieu vraiment. À Tambola, qui n'a pas eu de à cause d'un allié de repos à Saint d'Abraham. Il y a à côté qui gauche droite était. Malgré la souffrance de ce monde, il ne s'est pas égaré. À continuer qui suivre Jésus-Christ dans la vérité. C'est ça que je peux dire. Voilà, Denis Lissi a marqué le temps prophétique. Avant de nous la prophétie, on avait dénilé si ça là plein dans le stade ainsi de suite. Et après, il y a eu dénoncé le faux, le machioniste. Il y a eu mon père, Amiti Nakati. Il y a eu le pétage. Et puis, il y a eu l'abandon du premier amour. Après, il y a eu le témoignage mystérieux. Je crois que il y a eu l'abandon du premier amour. Il y a eu le plaisir. Oui, au côté, on a eu le vrai. Ils ont abandonné le premier amour. Hein. Batiki nzambe bakumi kosala makamu susu. Kote wane sije wane za solo. Mingi basi batika Yesu kala. Bakota na bango na banzela mususu batika nzela nzambe. Wana koza na raison. Ah. Alors soka tsuka bando azongeli bolingo na liboso bokora na denle sisiko bokondi mai siko. Tu sais papa notre Dieu le Dieu d'amour hein. Très bien. Si tu avoues tes péchés et tu les abandonnes, nzambe za capable d'accueillir. La Bible nous dit l'histoire des fils prodiges. Azwaki richesse à papa naye akeneko gaspiango l'air passe komela ki azonga ke patata yambaki ye abaki bobo mangombe bosa la fête bo yambaye notre jesi o avu pesie nayo dans le vrai ou abandonner totalement nzambe aza capable à accueillir ya kubwa côté. Alors merci beaucoup ozana message topé exhortation ko pesa bandeko bota la biso. Oui na koki ko pesa me bona lobite oyo ya lieu de repos. Eh, lieu de repos expliqué, oui, oui. Bon, il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Nzamba me makinga na vision. Nami mona kinga na kufi. Oh. Oui. Dieu voulait me montrer quelque chose capital. Nami mona ki na kufi. Bazole langai. Eh. Na kola bazole langai. Mais nami moni na lieu de repos. C'est
Mbote bande ko zanga maman Mika mosungi ya population. Nya elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. Pona problème ya santé. Ndeko zanga problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Mboudi mboudi bande koboya ba solution ezali ba kisi ezali ebele eza très efficace to buki ba prix na 30% côté cosmétique to za ba produit na biso tel que Thémétis, oui. To za na Thémétis, to za na crème de beauté Mika mafuta ya kopakola, to za na savon na biso gommant o ezo traité eza contre ba tache ba acné ba bouton pe ba vergeture. Vous allez na savon noir na biso, oui. Ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre moi, ils sont très efficaces. Vous allez na crème de visage na biso, ils ont embellir et longue, ils ont rendre longue lisse et très propre, très agréable. Vous allez na huile d'ananas, solution angoyo pour na ba peau sèche nyon surtout, solution ezali. Vous allez na lotion tonique pour na ba ta tampon, vous allez na lotion tonique pour na ba o bazan na tampon té mais peau ezali abîmé. Vous allez na gommage fait à base de café, ils ont rendre longue propre, ils ont longue la ba bouton, nyon surtout ils ont kené na ba graisse. Vous allez na pommade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème à libandi. Souki kola ka bien té, ba produit angoyo est très naturel et zo bongisa ba très naturel car on n'est maman lobby la pommade anti sola mapeka yes ndeko yo zali na problème solo au dégage ka transpira ka mingi solution yango eye pommade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté toza ba kiss na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kiss ya poussière ya ngoyo okomela na ka ya maladi nyonso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674. Adresse Nabiso Tozan, la commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Pour la stérilité, bande konanga baso zo koka ko concevoir te. Solution yangoyo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Ba kisi yango eye eza très efficace. Boya ebele boko zala desite. To buki ba pri ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté o futela bana Minerval pour tozo to bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakomana ngona sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour la bateau, balingi va contacter Bissot pour la détail. Moussousou, ils ont plus 243 89 72 32 229. Un endroit paisible, un endroit calme. Ils ont dit, tu n'es plus tellement quoi, Lix. Il y a bien propre, il y a bien, mais tu vas se reposer dans mon pépé. Babi, tu es dans les lieux de repos là.
Babemon lié de repos pour le bac à Saint-Abraham. C'est là que tu es. Mais nga na mukili bazole langa menazana lié de repos. Oh. Je me voyais en deux, en double. C'est là que j'ai entendu cet homme me dire, je voulais te montrer quelque chose de réel et de vrai. Ce que kotika la fidèle ndengo zali. Au monde de bazole la yo, yo zakuna bazomo nokuna me yo zali awa. En tout cas, cet endroit là nga kotika ngote, c'était tellement beau. Oh. C'était tellement beau, je te dis. Paysage qui toko. Mou pepe neti climatisé, neti ndenge moko. Et ça la kinga malamu mingi. En couleur. En couleur. Donc, na mona pe beauté, na repo ya ndenge wana nasa ya mou yawate. Donc, moutou ya koukoufa kati na Yesu. Kolinga to koufa ou abandonne Jésus. Et ça, erreur grave. Mais so koukoufi, na bonzambe ti na souka, ou ko regrette te. Parce que je me suis vu dans les lieux de repos. C'est un endroit paisible et calme. C'est ça. Mais pendant ce temps, il y a des gens aussi au bazar, peut-être, basou qui mettaient ma. Bazo vivre n'a pas si bazo louka ba magicien. Bazo louka ba secte, ba kota. Pour que bazo bomengo. Zoumo te ke le monde va na ba façon belé quand même. Moni, les gens sont tellement désespérés. Oui. Tellement batu bazar désespéré, aza capable à côté ka moutou pour na fofo. Aza mou capable à côté ka moutou même pour na bonheur il y a un an. Mais nga na koloba na batu ke. Si. Malam zela ta ya nzambe. Yes. Soki nzamba pe siyo bonheur. Bonheur wane koza la koutungisa yote koza ngso pongite. Mais le diable va te donner. Mais qu'est-ce qu'il va te demander? Parce que le diable ne donne rien pour rien. La Bible nous dit à Jean 10, 10, les voleurs viennent pour dérober, égorger, tuer. Le diable a copé son bonheur, le lot. Mais l'obi a kosé nga yobana. L'obi a kolobano kola la te, kene na cimetière. L'obi a kolobano to kene wola na ba mort. Kende kosa la boye. Souka souka kolobani ni ke, tu n'as pas obéi mes instructions abomiyo. Mais Jésus, quand il te donne sans condition seulement de croire qu'il est le Seigneur. Il te donne sans te donner que ne kolia nye ou salaboué. Non. Okola la pongi loko la bébé. C'est pour cela l'ami fidèle et tendre, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus Christ qui ne peut pas te faire du mal. Oya ko checker yo te zaka Jésus Christ na bon moi. Il est Dieu. Crois seulement, tu verras sa gloire. Voilà, crois seulement, tu verras sa gloire. Bande ko belé bo benga ki nga ipona maman Claire. Numéro né à France, il y a un problème? Non. Numéro est valable, est valide. Et batu babenga lobi na Bruxelles. Na Bruxelles, hein? Oui. Batu babenga na Bruxelles, batu babenga na Espagne. Mais comment bango zoleka? Bon, ba mususu ba téléphone mo. C'est mieux na pesa bango numéro ya Congo, hein? Numéro ya Congo ezali ya France pe ezali. Il faut que tu a à partir de France d'Europe plus 33 soko tu es 6 ko tu a sous 0 T. Tu mets directement 50. Tu mets 94, 53, 27. Peut-être que tu as plus 33 ou tu as 06, c'est que le caté. Si tu as plus 33, tu as 6, ou tu as 50, 94, et puis 53, 27, c'est que le cas. Alors, numéro 1, maman Claire, où il y a Congo Zali, plus 243, 85, 54, 65, 372. Nous affiché en Guana 85 54 65 372. On a même allo allo même dans les réseaux sociaux au cosoyer directement pour la communication, prière, bah, révélation, orientation divine. Je crois que et cause là vraiment important parce que nous sommes en train de vivre une période très compliquée. Bah maladie comme bah sorte belé même à la Congo. Blocage, freinage, bah poursuite et bah démon. Il y a des gens qui sont là au travail, mais déjà bloqués dans la prison diabolique. Oui, parce que aussi les péchés et même la maladie. Les péchés et même la destruction. Moutou azobanga nzambe taza comme un homme animal. Bible zolo banabiso. Tant que prophète Samuel a kende ki ko wendre David. L'esprit de Dieu quitta Saoul a entré sur David. Et Saoul, c'est l'esprit mauvais qui avait pris place. Tant que vous abandonnez Nzambe, c'est le démon, c'est l'esprit mauvais qui va, le sorcier qui va prendre place de ta possession dans ton corps. Donc, pour échapper à ça, cache-toi en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, c'est la mort, c'est la destruction. En Jésus, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'abondance. Tu veux être protégé, cache-toi en Jésus. En dehors de Jésus, c'est la mort, la destruction. Alors, oui. Ça c'est bien dit. Il y a peut-être un message, je crois que ça va nous décoper, citer.
Message na nini? Nete na prédication. Na ebité, ezan na lomo bon c'est la qui bango. Bible ngosan on pena toute nouvelle hein, toute oui, nouvelle. Oui oui. C'est tout neuf. Oui oui. Donc Nanki natanga quelques exhortations. Na Jean 10 verset 11. Jean 10 verset 11. Je suis le bon berger. Bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup abandonne les brebis. Alibinga nazali le bon berger. Mercenaire, oya yebi ke ba brebis baza ya yete. Ce qui a moni ba mercenaire akoki ma pe abandonner les brebis. Ce sont des dévoreurs de prophètes. Sorciers, les prophètes qui dépouillent, qui demandent de l'argent, ce sont des mercenaires. Voir le loup et abandonne les brebis. Et prend la fuite. Et le loup ravit les brebis. Ce qu'a Kimi, le loup, il y a un loup, il y a un brebis, il y a un loup qui détruit. C'est pour cela que je suis dans l'église, je suis dans bonheur, je suis dans l'église, maladie, stérilité, parce qu'il n'y a aucune église mercenaire. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et qui ne se met point en peine de brebis. Mais ce n'est pas ma peau, azana ma ba brebis te. Et la yo ya boutou na moi, okoufa te, talie te, ya zolo kane mbongo na ye. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elle me connaît. Nga na za bon berger, na yebi ba mpate na nga, e ba mpate na nga, ba yebi ngayi. Comme le père connaît, et comme je connais le père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Tata yebinga, nga pe na yebiye. Donc na pesa bo moinanga po na ba brebis. Jésus a sacrifié sa vie. Il a laissé son trône de gloire pour venir mourir pour toi et moi. Personne ne pouvait le faire, ni ton père, ni ta mère. Mais il y a seul Jésus qui a accepté la mort pour toi, l'humiliation pour toi. Rester nuit dans le monde entier pour te sauver. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que j'aille les ramener et entendront ma voix. Il n'y aura un seul troupeau, un seul berger. Abiezan encore brebis bazali banda. Oyo bazana nzala. Oyo bazana passe. Il faut na mema bango. Bakozala na berger moko. Bakozala bango lolenge moko. Na tata moko. Ceux qui osent nous côtoyer à gauche et droite pour nous écouter na bon berger té na nous écouter na Jésus Christ na bon moïté ti le loza malade si la caté passe si la caté pour nous raconter Jésus Christ de Nazareth té peut-être yo quand ça raconter Jésus mais écouter na Jésus de Londres Jésus de Brésil bar Jésus mais les personnes qui ont rencontré Jésus Christ de Nazareth comme Bartimée, leur vie a changé. Amen. Leur vie a transformé. Si jusqu'aujourd'hui tu pleures, tu n'as jamais rencontré le vrai Jésus. Yo, vous croyez que vous avez Jésus, vous avez bar Jésus. Vous avez Jésus de Londres, le Jésus de Brésil. Il y a beaucoup de Jésus. Et quel Jésus que toi tu as? C'est de Londres ou de Brésil ou de bar Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Les gens qui ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, ils ont été transformés. La femme de perte de ça pendant 12 ans. La femme de puits. La femme de Samarie qui était dans la puits, sa vie a transformé. Cette femme, elle était une femme prostituée, débauchée, mal réputée. Cette femme, elle a reçu Jésus. En Samarie, c'est cette femme qui a prêché la bonne nouvelle. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. Cet homme m'a dit toute ma vie. Cet homme connaît tout ce que j'ai fait. Venez, venez. C'est la femme qui a prêché la bonne nouvelle à Samarie, ce n'est pas Jésus. Crois en Jésus-Christ. Répands-toi de tes mauvaises œuvres. Retourne vers la source. Jésus est l'eau vive. Il a dit à la femme, donne-moi cette eau. L'eau que tu me donnerais, j'aurai soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. Ça jaillira. C'est d'eau vive, ça va jaillir dans ta vie. Ça va te transformer. Ça va enlever tous les désirs, toutes les maladies. Oh, Jésus est le transformateur. Si jusqu'aujourd'hui tu es encore malade, tu as encore des soucis, des problèmes, tu n'as pas rencontré ce Jésus-là qui a transformé la femme de Samarie, qui a transformé, changé sa vie. L'eau vive, l'eau qui change, l'eau qui transforme, l'eau qui guérit, l'eau qui bénit, le maître de la gloire Jésus.
seul unique Dieu véritable. Tous les dieux qu'on a entendus, ce sont des photocopies morts enterrées. Le seul Dieu qui a donné sa vie, c'est Jésus-Christ. Il est mort au bout du troisième jour. Il a ressuscité avec les clés de séjour de mort. Il a dépouillé le séjour de mort. Lui seul qui peut décider, quelqu'un peut mourir pour vivre. Jésus, lui seul peut te donner la vie et la joie. Très bien. Amen. Voilà, merci prophétesse, c'est clair, nous sommes bénis, bénis, très bénis même. Je crois que Bandeko Mingi à Londres, bah, c'est Peli, le vieux Bobo Batumbo à London. Merci à Gérard Sadam depuis Manchester. Yalu Zombala de Madrid, les célèbres Dien Zundu de Washington. Et pourquoi pas à Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges depuis la Belgique. Vous êtes tellement ébélé, abonnez-vous, commentez, partagez cette émission pour nous faire plaisir. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg en Suisse-Irlande, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vos messages, vos appels, vos suggestions, continuez encore une fois de nous encourager, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était la prophétesse Claire, elle vient de la France, à Zanabisso. Donc, toujours partager mes missions. Je crois que beaucoup, beaucoup seront bénis. Appelez et ça fera plaisir. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je bénis tout le monde qui suit l'émission. Sachez-le que Jésus-Christ est en action. Rien n'est impossible à celui qui croit. Peut-être tu as pleuré, tu t'es fatigué, mais ne te fatigue pas. Continue à croire. Jésus est Seigneur. Amen. J'ai béni mes enfants, Dorcas et Daniel, que Dieu les bénisse. J'ai béni tout le monde qui va suivre cette émission. Ne désespère pas, le panier circule encore. Amen. 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 Voilà, ça est fini.